Raconte l'histoire du restaurant qui punit les clients mal polis. Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et le rôle jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Il y a quelque chose qui m'agace dans la vie, ce sont les personnes mal polies. Les grossiers personnages qui ne disent ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Je suis certaine que ce n'est pas ton cas, que tu es toujours très courtois avec ton maître ou ta maîtresse, que tu dis automatiquement bonjour au vendeur ou à la vendeuse quand tu entres dans un magasin, et que tu remercies systématiquement la personne qui te sert au restaurant. Car tu sais, le manque de politesse peut coûter cher. Comme en Angleterre, où le patron d'un restaurant a pris une mesure très efficace contre les clients mal élevés. Tu veux savoir ce qu'il a fait? Pas de souci, je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre une quenotte, un chicot et une dent? En pratique, aucune. Ces trois mots désignent la même chose. La différence, c'est au niveau du registre de langue. Dent, c'est le registre courant. Quenotte et chicot sont du registre familier. Donc en Angleterre, le patron de ce restaurant en avait ras-le-bol des clients qui ne disaient ni bonjour ni merci. Alors il a pris une mesure dissuasive contre les malpolis, il paye plus cher. Oui oui, si un client oublie de dire bonjour, sa boisson lui coûte deux fois plus cher. Et s'il néglige de remercier le serveur, c'est même encore plus cher. La règle est écrite sur un tableau noir posé sur le comptoir. Le patron a expliqué que c'était un bon rappel des bonnes manières, et depuis, tous les clients sont très polis. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.